film. Combien il est 20 55 films. Ouais, tu peux en prendre. Ça c'est quoi, c'est Pokémon? C'est Pokémon ça, ouais. Ouais, je vois après. Je repars. Combien ça? J'ai fait 70 avec un jeu. Il n'y a pas le produit devant par contre. Quoi comme jeu? Resident Evil 4. Ouais. Après, c'est les trucs d'intérêt, on peut faire des échanges. Ouais. Ouais, je cherche des gamins de watch. Ouais, je sais que je cherche. Toujours, hein, comme d'hab. Ah ça, j'ai les jeux d'un truc, j'ai un pote qui voulait voir avant que je les vende. Ah, je te les laisse alors si c'est pas vendu. Est-ce que j'en ai encore d'autres? Le Game Boy? Le jeu Game Boy? Ouais, celui-là, là. Celui-là, c'est... Il y a le jeu dedans. Un euro le DVD. Le jeu PS5, combien tu fais? Un euro, regarde, des beaux films. Ouais, je te fais un prix, prends. Et le crash, comment tu fais? Le doré là? Les deux là. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi? Bonjour. Vous les vendez combien, mon jeu? 5 euros. Ok. Machin pour là. Voilà. J'ai fait 10 euros, je fais, mais il faut que je la branche. Ah. Je vais essayer de la brancher. Normalement, elle s'allume normalement. 5. Non, sérieux, non, je l'ai promis à un gars, j'ai dit, je vais la prendre. Je sais pas. Je sais pas si elle marche, mon frère. Non, tu peux la brancher dans la voiture, tu l'as branché, je vais te voir. Combien tu veux là? 2 euros. Non, si elle marche, mon frère, je la vends 10, frère. Ouais, tiens, casse-moi. Ah ouais. Ah ouais, je sais, mais je peux le tester maintenant. Ah putain, c'est pas le bon. Ça c'est pareil, il n'y a pas son chargeur. Ça je peux pas l'essayer. Je regarde juste son nickel. C'était mon métier, moi. Je me suis ravi de ça. Voilà, j'étais bien connu. J'étais un peu les proches. Putain, opération Wolf. Ça, c'est la France. Énorme. Et c'est encore un fou. Et ben nous revoilà donc pour le compte-rendu de ce vide-grenier qui était plutôt pas mal. Ben, je suis content d'avoir vu en tout cas des jeux Nintendo 64 en boîte, d'avoir vu quelques petites choses. Après c'est vrai que c'est plus la folie comme à un moment donné où on trouvait des Super Nintendo en boîte, enfin en mallette avec genre 10 jeux dedans pour 25 euros, etc. Mais bon, je pense que ça reviendra un jour. On en parlait tout à l'heure avec le collègue. C'est vrai que bon, ben, à un moment donné, on trouve pas toujours, on peut pas toujours faire des trucs de dingue. Mais moi je suis content, franchement c'est ce qui compte. Et avant de vous montrer les trouvailles, je tiens à remercier David encore une fois pour le Final Fantasy XV qu'il m'a offert. Franchement, ça fait super plaisir. Merci David, il va aller tout de suite dans ma collecte. Ça fait vraiment plaisir. T'inquiète, je t'oublie pas. Je trouverai quelque chose aussi pour toi. Alors, on va commencer par... Bon, on va commencer par les petites choses. À un moment donné, j'ai eu ça sur un stand. C'était le Network Access Disc pour la PS2. Je pense que c'était le kit donc pour connecter la PS2 sur le net. Et j'ai trouvé ça assez sympa en fait. Franchement, c'est super bien présenté.
Et en fait, avec, il y avait deux autres jeux, c'est-à-dire il y avait Worms 4 Mayhem et un Burnout 2 un peu sale à nettoyer. Et le collègue m'a dit, écoute, je te fais les 3 euros le tout. Je dis, allez, ça va, on y va. C'est cool, je suis plutôt content. Une petite trouvaille dont je suis content, puisqu'on n'en voit pas souvent, c'est des jeux Nintendo 64 en loose. Et là, il y en avait deux, on a partagé avec JP. Bon, il est pire que Sunfade, c'est le Cruisin USA, regardez. Il est, on peut dire qu'il est cracra, on a presque envie d'enlever l'étiquette et d'en faire une. Hein. Mais bon, pour 3 euros, franchement, ça mange pas de pain, c'est plutôt cool si on peut rejouer à ce jeu-là. Moi, je ne l'ai pas dans ma collecte. Ensuite, un petit lot tranquille qui va aller pour les neveux, pour Noël certainement, je vais faire un petit cadeau. Alors on a un Just Dance 2, un Just Dance 4, un Just Dance, un Wii Sport Resort et un Ratatouille. Je sais que c'est surtout celui-là qu'ils vont vouloir. Et ils sont tous nickel, les jeux complets, en super état. Et il y avait un GTA Liberty City Stories sur PSP. Donc le tout pour 6 euros. Franchement, je me suis dit, c'est vraiment super cool. Bon, ça, c'est des petites choses. Ensuite, un jeu que j'ai testé chez Fabio dernièrement sur son vidéoprojecteur 3D et que je vous conseille vraiment. Moi, j'étais passé un peu à côté. C'est le MotorStorm Apocalypse. Et en 3D, c'est vraiment une tuerie, une immersion vraiment excellente, je vous le conseille. Très très bon jeu. Et avec, il y avait le jeu là-haut, Disney. Donc, 5 euros les deux, je me suis dit, allez, on fonce. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, un jeu blisté, JP, tu l'as oublié dans mon sac. Je te le garde, t'inquiète pas. Donc, un Mad World pour 1 euro blisté sur Wii. Franchement, ça fait super plaisir de retrouver des jeux neufs, jamais ouverts. C'est cool. Ensuite, un Crash of the Titan sur PS2 qui est accompagné d'un Seigneur des Anneaux pour 1 euro les deux. Franchement, ça fait super plaisir. Ensuite, un jeu que j'aime beaucoup, c'est le Sega Rally sur PS3. Franchement, celui-là, moi j'avais vraiment kiffé. Après, la maniabilité un peu particulière, mais moi je vous le recommande de le tester. Il était quand même, j'en garde un très bon souvenir. Donc je suis content, il était complet pour. Ben, pour combien je l'ai eu? Pour 2 euros. Donc franchement, assez cool. Ensuite, ça pareil, je pense que ça va être pour les neveux. Un Ryu 2, le DVD, neuf, jamais ouvert, avec les Schtroumpfs 2. Pareil, neuf, jamais ouvert, pour 1 euro le tout. Je me suis dit, tiens, ça c'est parfait, je crois que j'ai déjà les cadeaux de Noël, c'est cool. Ensuite, on va passer sur un peu plus rétro. Alors, un jeu, un excellent jeu sur PS1, c'est Atlantis. Un Nuclear Strike sur PS1. Un Tomb Raider, la révélation finale, sur PS1. La Merzone, PS1, c'était un lot. Hein. Et un Tomb Raider 3, donc sur PS1. Et je remercie le poteau Sam Lee, d'ailleurs, qui fait des belles vidéos sur YouTube. Tapez DJ Sam Lee 13, vous verrez, il a fait un montage du HeroFest qui est vraiment très sympa. Et en fait, il me proposait 15 euros le tout, et c'est vrai qu'on avait un petit problème de monnaie. Du coup, j'ai rajouté des jeux pour arriver jusqu'à 20 euros. Il m'a mis un Final Fantasy X en PS2, un Halo 2 en Xbox, un Lord of the Rings, un GTA San Andreas et un jeu Game Boy. Je crois que c'est un jeu Game Boy Color et c'est JP, c'était pour lui, on l'a rajouté, je sais plus, c'est un jeu de course, mais c'est dommage, j'aurais dû le noter, je me rappelle plus maintenant, peut-être que vous le verrez dans la vidéo. Et donc le tout pour 20 euros, donc je suis plutôt content, franchement merci Sam Lee, c'est un bon prix, vraiment cool. Ensuite, un X-Men 2 Mutant Academy sur PS1. Alors franchement, c'est fou, parce que des fois, on trouve à fond de PS2, à fond de PS3, à fond de 64 ou des choses comme ça. Puis là, aujourd'hui, c'était la PS1. Et il y avait un getaway avec. Donc je remercie la Minico et qui m'a fait le tout pour 5 euros. Donc franchement, c'est assez cool. Ensuite, là, c'est vraiment pour la nostalgie. Le Philips Video Pack. Je sais pas si vous avez connu ça. Et en fait, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, franchement, j'aimerais trop le mettre sur mon étagère. C'est assez vintage, en fait.
C'est vraiment les premières consoles ordinateurs, entre guillemets, parce qu'il y avait un écran intégré. C'est Philips qui faisait ça. Et les cassettes étaient comme ça. Ça, ça date des années 80, hein, les amis. Mais franchement, il y avait le Pac-Man dessus qui était excellent. Et là, en fait, d'avoir revu ça, il me semble que je connaissais ce jeu. C'est un jeu d'énigmes, il me semble. Enfin, donc, franchement, je me suis dit, allez, je le prends. Ce petit coup de, on va dire, la petite gaufre. Donc, pour 2,50€, je dis, allez, j'y vais sur l'étagère, ça fera toujours sympa. Et donc, pour finir, j'ai trouvé une DS blanche pour 4€. Et en plus, elle marche nickel. Donc, je suis super content, franchement. Ça fait toujours plaisir. En plus, en blanc, je trouve qu'elle claque. Bon, il va falloir faire un petit nettoyage, elle est un petit peu sale, etc. Mais les écrans sont nickel, sinon il n'y a pas trop de rayures, etc. Souvent, ces consoles-là, malheureusement, elles ont été maltraitées par les gosses. Et donc, voilà. Ce sera tout pour donc, ce compte-rendu. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.